は明かしのゼウ。生きてたのか。コックにして船長を務めたという無類の海賊。生きてたらどうだってんだ。てめえには関係のねえことだ。見ての通り、俺はもうコックとして生きている。そう言うと聞こえはいいな。見たところ、コックとして生きているというより、コックとしてしか生きられなくなったように見えるが、貴様にとって片方の足を失うということは戦闘不能を意味するはずだ。食い物を粗末にすんじゃねえ。そう言うと聞こえはいいな。見たところコックとして生きているというより後悔日誌があるはずだ。それ俺によこせ。行くぞ。自殺に等しい行為だってことをよく覚えておくんだ。俺もだよ。お前、bonjour à tous, ici le Salonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du chapitre 1029 de One Piece qui est excellent. On a l'habitude de les masterclass s'enchaîner les unes après les autres, tranquillement. Le chapitre précédent était très intéressant et très fort en puissance. On avait le combat des seconds, Zoro contre King. Un combat qu'on attendait depuis très longtemps, Zoro et King, deux seconds surpuissants. On a eu un King très violent qui enchaîne très bien, et un Zoro en difficulté qui endommage King, ou du moins son masque. Zoro a compris qu'il doit faire attention, et il envisage même de perdre la vie. Cette semaine on a un spécial Sanji en deux parties. Une partie sur Onigashima et une partie sur Sanji contre Queen. On va donc tout voir ensemble calmement. Je vous rappelle que les chapitres sont gratuits et 100% légal sur Glénat Manga Max chaque dimanche à 17h. Merci pour le pouce bleu et merci pour le soutien. C'est parti. On a encore une confirmation sur les rapports conflictuels entre la marine et les Yonko. Beaucoup pensaient que la marine avait besoin des empereurs, mais en fait, loin de là. La marine veut les arrêter, mais c'est beaucoup trop compliqué. D'ailleurs, on savait déjà officiellement que la marine voulait arrêter la piraterie. Le CP0 dit que si Kaido perd, le GM récupère le territoire pour une affiliation. Ça confirme donc encore une fois ce qu'on a beaucoup vu. Dans l'équilibre des forces, quand on parle des Yonko, on parle des empereurs individuellement, les empereurs n'étant pas alliés. La marine est contente pour une défaite de Kaido, parce que s'il perd, l'un des quatre Yonko est déchu. Après la chute d'un empereur, l'équilibre tremble parce que beaucoup veulent récupérer la place. C'est ce qu'il s'est passé avec Barbe Blanche justement. C'était un véritable carnage un peu partout. Donc oui, bien sûr que la marine veut récupérer le territoire de Kaido. L'information est importante parce que c'est très très compliqué. Akainu ne voulait pas venir sur Wano, mais a priori le GM veut le pays. Le problème c'est que Momo est l'héritier légitime, donc récupérer le territoire c'est compliqué. Leur excuse est sûrement une soi-disant protection, mais si les habitants refusent, il y a conflit. Donc le GM devra annexer Wano Kuni par la force, mais Luffy est toujours là. Wano pourrait donc devenir le territoire d'un capitaine de niveau Yonko. Un capitaine de niveau Yonko, avec un équipage de niveau Yonko et une gigantesque flotte. Si tout le peuple est contre le GM, on aura un énorme conflit. Et là, il y aura du bruit. D'ailleurs, le fait que le GM et la marine débarquent confirme bien ma théorie. J'avais dit que la marine allait venir pour un Buster Call ou autre. Et c'est arrivé. C'est encore une théorie confirmée pour Loro Jackson. Tout va bien. Lokurogam ! On a le retour de Rob Luchik d'un perso emblématique. Pour moi, il représente ce qu'est un perso badass, donc ça me fait plaisir. Il dit qu'il ne croit pas que Luffy va gagner, mais il envoie des navires. Je pense donc qu'au fond de lui, un petit quelque chose lui fait croire qu'il peut effectivement gagner. Ce petit quelque chose, c'est la conséquence d'une défaite. Luchik pensait gagner, absolument, mais non. Il a perdu. Luffy l'a tellement démonté qu'il a fini à l'hôpital. D'ailleurs, c'est le seul du CP9 qui a autant mal fini. En tout cas, ça fait plaisir qu'il revienne. Rob Lucci. Je sais qu'on va me demander son niveau, donc je réponds. Contre Luffy, il avait 28 ans, et désormais il en a 30. Il peut donc toujours évoluer, parce qu'il n'a pas atteint le fameux plafond de verre à 40 ans. J'aimerais dire qu'il a le niveau d'amiral commandant, mais c'est très compliqué. Un niveau d'amiral commandant, c'est pas n'importe quoi. C'est un très très gros niveau. J'estime donc qu'il a actuellement un niveau intermédiaire un peu comme Doflamingo. C'est-à-dire qu'il est entre vice-commandant et commandant. Pour la marine, c'est entre vice-amiral et amiral. J'attends d'avoir plus d'infos sur l'évolution de Rob Lucci pour en parler en détail. Les niveaux de puissance c'est pas facile, surtout pour des persos comme lui.
Momo doit sauver le pays. C'est avec ça qu'elle sera reconnue par le peuple. C'est donc avec ça qu'elle sera reconnue comme le chef du pays. Le chef légitime. Maintenant qu'il est adulte, il peut être shogun. Donc, par rapport à ça, pas de problème. Par contre, la tâche est très compliquée. Il doit maîtriser de gros pouvoirs. Beaucoup comptent sur lui, donc il n'a pas le choix. Il faut qu'il réussisse. C'est le fils d'Oden, Kozuki. L'homme capable de vaincre le Kaido actuel d'après Kaido. Kaido en personne. L'homme qui a fait jouer égal avec les plus grands pirates au monde. Un véritable monstre de puissance. On en arrive donc à la seconde partie avec un énorme combat, Sanji contre Queen. Pendant le combat, Sanji dit clairement que Queen est très fort. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu ensemble. Queen a le niveau de commandant qui est un énorme niveau. Queen s'en fout de Sanji, il rigole et a un cigare à la bouche. Tout ce qu'il veut c'est qu'il enfile le Red Suit. Queen est hyper confiant parce que pour lui il est impossible qu'il perde le combat. En même temps, vu la différence d'expérience et de prime, c'est normal. Queen ne peut que penser gagner. La construction du chapitre est identique à celle du précédent avec King et Zoro. La différence c'est qu'avec Queen on a un peu d'humour. Ça colle parfaitement avec Queen parce que depuis le début on sait qu'il est un bon vivant. C'est identique parce que le commandant montre qu'il est hyper puissant, puis on a un sursaut du Mugi. Officiellement, les Mugiwara augmentent en puissance d'arc en arc. Ils évoluent pendant les combats, ils sont loin de leur niveau maximum. Du coup, ils peuvent grandement évoluer, et ils ont justement la particularité de grandement évoluer. D'après Rayleigh, en combattant des gens puissants, on devient plus puissant. Et bien là, ils combattent justement des gens hyper puissants, donc ils peuvent grandement évoluer. Sanji dit clairement que Queen est une énorme résistance. Là, c'est un peu ce qu'on a eu avec Doflamingo. Il avait dit que les coups étaient pas mal. Par contre, le problème est identique. Il faut une grosse évolution pour Sanji. D'ailleurs, il est très clair là-dessus. Je dois contourner sa robustesse. Sanji est au courant de ce qu'on a vu ensemble. Il lui faut des coups bien plus forts. Contre Doflamingo, il avait montré du potentiel, mais c'était il y a 4 arcs. Dressrosa, Zou, Whole Cake et Wano Kuni. Les Mugi évoluent à chaque arc, donc Sanji évoluait pendant 4 arcs. En parlant de Doflamingo, beaucoup m'ont posé la question, donc je réponds. Sanji contre Doflamingo. Oui, c'est indéniable, Doflamingo était plus puissant dans son arc. Par contre, Sanji évolue entre temps, et désormais il a un Red Suit et une évolution du corps. On en parle juste après. Officiellement, le commandant Cracker est plus puissant que Doflamingo, et Queen est également un commandant. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est plus puissant que Doflamingo n'a aucune chance. Par rapport à Doflamingo, Sanji combat quelqu'un de plus puissant, mais il galère. Donc ça va se jouer au niveau de la fin du combat. Sanji va gagner, et il validera un fait. Le fait qu'il surpasse Doflamingo. Actuellement, oui, Sanji peut vaincre Doflamingo, tout comme Doflamingo peut le vaincre. En termes de niveau, c'est pareil, parce que Sanji et Doflamingo ont un niveau intermédiaire. Par contre, Doflamingo a 41 ans, et Sanji que 21. Attendons la fin du combat, et attendons la masterclass de Sanji, la jambe noire. Queen dit qu'il va montrer la puissance brute des dinosaures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il cumule deux puissances. Puissance de Zoan et puissance technologique. Quand il parle de puissance brute, il parle de puissance d'un ou plusieurs coups. Il y a une différence entre puissance brute et puissance globale. La puissance brute, c'est ce qu'on peut appeler la force d'un coup ou plusieurs coups. La puissance globale, c'est tout ce qui fait que quelqu'un est puissant. Fruits, outils, haki, etc. Par exemple, Katakuri est très fort offensivement, mais il est surtout très puissant via son haki. Haki de l'observation. King, c'est différent parce qu'en observation, il est juste bon, alors qu'offensivement, il est excellent. Désormais, Sanji a un corps hyper résistant, et il peut même se soigner. Soigner ses blessures. Tout ça, ça augmente considérablement sa puissance globale. Maintenant, ce qu'il doit faire, c'est combiner. Sa résistance de base et son haki. Avec cette combinaison et un excellent haki d'observation, il sera très très puissant. L'auteur a prévu une excellente combinaison. Il avait tout prévu. Au début de l'arc, quand beaucoup affirmaient qu'il ne pouvait combattre qu'un Toby Ropo, je vous ai demandé une chose, me faire confiance. Eh bien l'auteur confirme encore une fois que vous avez bien fait. Bien fait de me faire confiance. Tout va bien. Le fait que Queen soit Miss Cyborg, Miss One, ça permet de surprendre. Avec sa technique, il est tellement rapide qu'il est impossible pour Sanji d'esquiver. Même s'il a un très bon haki, Sanji ne peut rien faire. Il est pris de vitesse. C'est ce qu'on a eu dans l'arc précédent avec Luffy contre Katakuri. Rappelez-vous, il aura fallu une forme très rapide pour que Luffy l'allume. Queen affirme que même des boss sans haki de l'armement ne peuvent pas résister. Et ça, c'est ouf. Sa prise est énorme. La pression est tellement grande que le corps se fait broyer de l'intérieur. Ça, c'est typiquement la représentation de la puissance d'un commandant. Les commandants ont tous un petit quelque chose qui les rendent hyper puissants. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les amiraux. A priori, Queen aurait brisé le corps de quasiment n'importe qui. Pas tout le monde, et heureusement, mais quasiment n'importe qui. D'ailleurs, il dit qu'il a détruit pas mal de monde, ce qui montre que la pression est énorme. Maintenant, reparlons de Sanji en détail. Alors là, on a vraiment une double capacité de malade mental, et je pèse mes mots. Dans l'après-chapitre, on voyait qu'il lui manquait de la résistance. Et bien là, l'auteur décide justement de sortir ce qui le rend hyper résistant. A chaque problème, sa solution chez les Mugi.
Et bien là, la solution est parfaite. Luffy a toujours pu beaucoup encaisser. Zoro a toujours pu beaucoup encaisser. Il est l'heure pour Sanji. Monsieur Ishiroda a cherché un moyen de le rendre hyper puissant, mais c'est compliqué. Par rapport à lui, c'est très dur. Voilà pourquoi pour Sanji, ça a pris du temps. Zoro était sur le toit, mais lui ne brillait pas. Il n'a pas mangé de fruits, il ne combat qu'aux jambes. Donc pour les power-ups, c'est chaud. Heureusement, c'est loin d'être fini. Mais rien que ça, c'est vraiment bien. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, il a désormais des capacités de second empereur. Il est stratégique, intelligent et réfléchi comme Ben Beckman. Il peut voler comme King et Marco. Il combat avec du feu comme King. Il se régénère comme Marco et spécialisé en HDO comme Katakuri. Une fois qu'il aura battu King et qu'il s'entraînera, il sera vraiment excellent. Il excellera partout. Via toutes ses compétences, il a quoi devenir super puissant. Vraiment. C'est justement ce qu'on demande à un commandant du roi des pirates. Le roi des pirates surpasse les empereurs, ses commandants surpassent les commandants d'empereurs. Tout simplement. D'ailleurs, comme prévu, le débat est clos par rapport à Jinbe. Sanji est supérieur. Pour reparler de combinaison, on ajoute une excellente capacité offensive. Comment ne pas être impressionné à l'avance par ce véritable démon de puissance? Après le feu, je suis persuadé qu'il aura un autre élément. Un autre élément, ou même plusieurs. Le feu, ce n'est que le début pour ce commandant du prochain roi des pirates. Monkey D. Luffy. Gardons en tête qu'il doit se rapprocher au maximum du niveau de Zoro. Gardons en tête que Zoro a le niveau de Yonko à la fin de l'œuvre. Rayleigh est surnommé le seigneur des ténèbres, sûrement pour des techniques démoniaques. Un peu comme Zoro avec ses techniques démoniaques. Sanji sera pourquoi pas surnommé le seigneur des éléments pour tout ce qu'il maîtrisera. Le seigneur des pirates, le seigneur démoniaque et le seigneur des éléments. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.